Côté, c'est que toute cette galère ici a tourné en rond. Ça m'aura fait gagner de l'XP. Ça, c'est cool. C'est l'heure du boss mecha. Tout le monde acclame boss mecha. Bonjour boss mecha. D'affronter une méca géante. Allez, on va tout donner pour Danette. Ou pour méca géante, c'est comme vous voulez. Ouais. En fait, autant je m'en fous. Il y a deux pour Macarena, aïe. Ah, d'accord. Ouais, j'ai vu ça, bah. Faut bien, hein. Sinon, on rentrait pas dans un jeu de rôle japonais. On serait pas dans un JRPG. Malunaï. J'ai plus masse de MP, donc je vais régénérer MP. Oh mon dieu. T'es sûr que t'avais vraiment envie de faire ça? Ah, ça c'est un élixir. Moi je régénère MP, mais façon classe quoi. Le stade où le problème de pognon, je connais plus. Hein. 99 000 élixirs, t'es tranquille. Moi, je peux reposer un Bahamut, ça c'est cool. On va faire ça. Je vais utiliser ça.
Ouais, totalement. Hein. Bientôt la fin du CD2. Bon, ça marche. Que ça, ça marche. Ça marche, je fais pas Superman mais ça marche. Ah oui, oui beaucoup. Le CD1 c'est le plus long. Ah ouais, c'est bien Trine. Oh, 3-4, truc comme ça. Regardez, ça c'est pas plus efficace. Le boss commence à morfler. Qu'est-ce qui me fait dire ça, hein? Ok, bon coup. Oh, une princesse! Je t'avais pas vu. Coucou, princesse! T'as bien dormi? Ça, j'avais même pas vu que c'était toi. Je suis tellement fatigué. T'as vu, tu vas rejoindre l'équipe. Ah oui, des câlins. Bon, j'ai pas été très bonne. Je pense que je vais viser le... J'ai un peu healé tout le monde. T'es câlin, ouais. Ouais, j'ai mis des nouveaux modos parce que il y a eu un gros troll qui est passé tout à l'heure, donc du coup j'ai préféré mettre des nouveaux modos. Voilà, fini le boss. RIP boss. Il devient tout blanc. Oh, la mecha, elle est malade. Elle est malade, la mecha. Marine.
Bon, comme tu t'en doutes, premier truc que j'ai... Non, mais... Comme tu t'en doutes, hein, j'ai fait des méga élixirs. J'ai fait pop du méga élixir. Ah, super, une épée. Alors, je vais regarder le stuff que j'ai ramassé. Ce sera mieux que du jus de cristal. Faire ça. Bon, juste savoir. Carrément me le permettre, donc je vais le faire. Je fais un petit peu de rangement dans les matériaux. J'aimerais bien que ça monte, mais ça pourra attendre. On va augmenter la dex. Et la vita. Je suis où? Ouais, il n'y a quand même pas grand chose, hein. Il a une magie de malade. Voilà. Ah bah niveau 50. C'est cool. Enfin, faut que je monte à l'escalier. Je vais aller monter à l'escalier. À m'attaquer lui. Je sais qu'il y a rien à voler, je veux juste que Sinael tue des mobs. Mais c'est Plankton qui tue. Comique. Bon. Écoute, faut bien mettre une étiquette, hein. Je le poutre. Mais grave. Là, je roule dessus, hein. Faut être clair, là, si j'y retourne, il n'y a pas le temps de me faire bêta. C'est bien, Sinael, tu as appris ta nouvelle limite. Je suis fier de toi. Maintenant, tout le monde peut tuer. Tuons en cœur. Thank you.
Comment ça, j'ai juste la flemme là. Mister Karaté cette fois. Je peux juste dire que c'est une bonne chose, Mister Karaté. La différence de puissance entre certains persos est assez hallucinante. Toujours pas vie 2 dans toute cette connerie. Hein. Toujours personne avec vie niveau 2. Tu gagnes à pas connaître. Honnêtement, hein, je pense que tu gagnes à pas connaître. Merde. J'ai besoin d'utiliser mes limites, moi. Tu fais chier. Ça va être mieux. Vas-y, tu attaques. Tu attaques. Putain, non, mais sérieux, ils font chier là, ces mobs. Commence à grave me gonfler ces mobs de merde. Le petit poutre la gueule qui me fait chier. Et toi, plus de météore. Allez. C'est parti. Putain, fais chier. Bah, au moins, il n'y en aura plus que d'un côté. On va commencer par s'assurer sa survie. Ensuite, on va reste tout le monde. J'ai horreur des pincers. Depuis que j'ai lancé ce jeu, je ne me prends quasiment que des pincers attack. Hein. J'ai bouffé de la pincer sur ce run. Ouais, grand classique. Malheureusement, grand classique. Mais j'ai pas barré dans mon équipe, donc du coup, je n'ai pas pu ramasser sur la limite.
On est parti pour la 25e heure. Mais je vais peut-être finir avant les 30. Ce serait cool. Je serais assez contente si je finis avant les 30. Comme quasiment tout ce qui mélange Star du Showbiz et Charité. Au jour. Alors. Bahamut, invoqué. Néo Bahamut, invoqué. Odin, voilà. D'accord, Tortel. Je commence à être totalement frigorifié. J'ai vu ton tweet. Je crois que c'était le tien. J'ai vu un tweet. J'ai pas eu le temps de finir d'invoquer. Oh, tu me rassures. Ça me fait peur le coup. Merci Spiffoum. Je suis tellement fric. Tellement. Une envie, c'est d'aller retrouver. C'est d'aller voir mon lit. Hey, salut le loup, tu veux venir avec moi, on va dormir. Oh. Oh, t'es une confusion. Je n'approuve pas de tels procédés. Ouais, je sais, je laisse pas le boss en placer une. Non, demain c'est le week-end. Je suis pas sûr d'être debout demain. Oh.
Avec ça, ça fait vachement mal. Quick attack. C'est magique. Là, ça faisait mal. Ça fait mal a priori. Ça fait bobo et en plus, ça fait mal. De faire mal, ça fait bobo. On va faire ça aussi. Faut bien mettre du régène quand même, ça peut servir. Je suis content que ça ait raté, ça m'aurait fait mal ça. Physiquement, en fait. Je pense que je vais devoir régénérer des MP. Faire comme ça, ça va être plus classe. J'aime faire les trucs de façon classe. Ah, ça c'est vache. Je n'ai rien pour guérir silence. Je crois que j'ai rien. Non, j'ai rien. Attends. C'est plus efficace la faute, quoi. Un peu moins de MP. Non, il donne un coup, il se prend une contre-attaque dans la tronche, quoi. Tiens, ça réveille quoi? Faire quoi pour se réveiller ici? Faut juste attendre, d'accord, moi ça me va. Hein. Là, il va falloir aider.
c'est con. C'est ballot. Voilà, c'est passé. Ce fut long. Surtout, faut que je reprenne des trucs pour nettoyer, pour soigner Silence, parce que sinon ça va pas aller. Ouais, ça, j'ai arrêté de lire et je vais mâcher. C'est l'heure de mâcher, mâchage, machine, machine, machine. Youhou, rose pifounette. C'est l'heure du machine de l'infini, du machine, du machine, du machine de l'infini. Les bandes de glandus, vous avez une chambre dans l'avion qui est juste à côté. C'est pas la peine de dormir sur la caillasse dehors comme il fait froid, tu vois. Oh là 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 là. Le romantisme a ses limites que le corps supporte. On peut être très romantique en étant dans un canapé. Ou chaud sous des couettes. On peut être très romantique comme ça. On peut l'être tout autant. Pas forcé de te cailler le cul et de te râper l'anus. Enfin, je dis ça à mon avis, hein.
désolé. On va essayer de finir ce jeu en moins de 30 heures. Ce serait cool. Le truc, c'est que j'avais quand même bien cherché la dernière arme. Non, c'est parce que les personnages, alors qu'ils avaient un truc confortable et chaud à proximité, ils ont préféré passer la nuit à la Belle Étoile en se gelant les miches sur la plage. Fin du CD2! C'est l'heure de tweeter. J'ai oublié de remettre le lien du Twitch. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'espère que j'aurai du fromage après ça. Hein. Faut vite commander du fromage pour en avoir après ça. J'aurais mérité. Ça me paraît plus optimal d'aller chercher des trucs avant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais aller totalement chercher des trucs avant, ça me semble pas con. Ah oui, c'est vrai qu'elle était là. J'avais oublié qu'elle traînait là. Ah ouais, mais totalement. C'est aggro de l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'aggro sortie du chapeau. Parce que je l'avais déjà tapé une fois, puis il est venu se... Il était venu s'enliver à cet endroit-là. Parfaitement, s'enliver. Du verbe endiver. Ouais, totalement. Qui veut dire faire comme une endive, rien. Précisément, hein. Donc elle était venue s'enliver à cet endroit-là, juste au-dessus de la grotte. Donc là, il faut bien lui péter la tronche. Et à survivre. On va faire les deux en même temps surtout.
Je préfère balancer un comète là. Il n'en voudra pas. Un guerrier 2 suffira. Ah ouais, ça c'est de l'agro de l'infini quoi. Magnifique. Magnifique. Même pas là que je voulais aller en plus. Ah, je vous jure. En plus, c'est vrai que c'est pas là que je voulais aller. Bon. Je vais faire un tour ici. Donc, mon côté, c'est que je vais totalement rouler dessus. Oui, mais c'est normal. C'est un travail sur long terme de gagner ici. Non, je m'en fous de ton histoire. Je m'en fous. Je veux juste acheter de quoi soigner Silence. Ce qui m'intéresse, c'est soigner Silence. Donc je peux pas acheter de quoi soigner Silence ici, ça craint. Cet endroit, il pue. Écoute, j'irai voir ça après. Je veux déjà trouver de quoi soigner Silence en fait. C'est mon gros problème, il a à soigner Silence. Je ne peux point, je ne sais point. Attends. Ah, mais casse-toi, PNJ de merde! Bon, j'ai obtenu catastrophe, ça ne me servira à rien, mais j'ai catastrophe. Pas là que je vais aller. Eh, hey, gamin! Je l'utiliserai peut-être pas, mais j'ai Ultima. Bon. Moi, qu'est-ce que je veux? Non, bah non, j'étais beaucoup trop low level en fait. Mal. Ultima, ça fait mal. C'est une grosse magie qui fait mal. Bon, ok. J'en ai marre de chercher ou trouver cet objet de brin. Dis-moi qu'il y en a là-bas. Pas là-bas, là-bas. Non, ça s'est joué à environ une seconde en fait. En plus, ça s'est vraiment joué à un poil de cul. Il y a un tout petit poil de cul quoi. Non, mais sérieux, foutez ma gueule. Il n'y a aucun magasin qui vend ce truc. Bon. Alors on est bien?
Bon. On va espérer pas se faire silence le reste de la run, hein. J'ai un peu pas envie de passer 442 fois ma vie. Alors. Où es-tu passé, bestiole? Oui, bestiole. Je t'ai vu. Mais arrête de fuir, je vais te péter la gueule! Est-ce que j'ai Esna? Est-ce que je l'ai? Putain, j'en ai marre aussi. Arrête de fuir! Lâche! Va te faire saucissonner par un hamster. Tu vas pas retourner, te mettre là-bas. Ouais, je te jure qu'elle va retourner, squatter, ici. Elle retourne, squatter dans le cratère. Foutage de gueule. C'est magie, voilà, totalement. Je crois qu'elle a pas aimé le limit break. Tu sais quoi? Je vais aller faire un tour au canyon déjà. Donc je vais même faire encore plus crado, je vais aller chercher BM0. Ah ouais, non mais en même temps Tifa, hein. Alors... Alors, Bamut 0, il faut aller fouiller en jeu, d'accord. Je cherche un trésor intéressant, d'accord. Pour avoir l'arme ultime de Cloud.
tout bêtement. Ça, c'est normal. Un coup. Truc jaune. Bon. Et bah, tant pis pour Bahamut 0, ça me gonfle. Très honnêtement. Hein. Il n'y aura pas Bahamut 0 dans cette run, c'est pas grave, on va aller voir. On va faire un tour à Kingdom Cosmo. Battre ce truc qui me gonfle. Il faut que j'aille ici pour une arme. Donc je vais aller chercher une arme. Tellement simplifier la vie déjà.
mais je peux totalement avoir une matériel machimètre. Ça c'est cool. Donc je suis venu ici pour ça. J'aimerais bien quand même finir par avoir V2. Ce serait vachement cool. Voilà. Et je vais refaire ça. Oh, trop choupi. Oh, le gros truc qui pue, c'est toujours pas calmé. Bon, alors c'est pas que j'en ai marre de t'attendre. Mais mange-toi le cul, saleté. Ouais, baston. Ah, j'ai envie de le voir ce truc. Abusé. Mon PC est re en mode. Si je coupe un quelconque truc d'internet, il ne retrouvera pas internet.
On a compris que je te roulais dessus. Je ne vous laisse pas écran. Désolé, je vais faire plus de choses. Oui, enfin! Enfin, le dernier combat! Peut-être que j'ai eu le temps que j'ai arrêté. Il y aura deux limites qui va partir, ça va être pas beau à voir. Et là, une météore. Je pense que ça fait mal. En effet, ça fait mal, mais c'est pas grave. Donc, Tortel, pour répondre à tes questions, je faisais donc tout ça pour ceci. Voilà, c'est au moins tu... au moins c'est quoi on parle, hein. Faut voir le bon côté, c'est avec un nom comme ça, tu sais de quoi tu parles. Hein. Voilà. Ouais, c'est clair, là on sait vraiment de quoi on parle, hein. Il n'y a pas de doute. On est bien sûr la dernière arme du perso principal. Alors si j'étais sérieux, j'irais chercher le truc qui traîne là-bas. Franchement, je veux finir. Au revoir Willow. Donc, les partouzes. Je pense qu'Arvok W sera à prendre ainsi que Megatou. Alors ça c'est bien, ça va me permettre de sauvegarder. D'utiliser à bon escient.
C'est-à-dire juste avant la descente aux enfers. Finalement j'ai plein de niveaux, multiples de 5. L'idéal serait quand même de se barrer. Ah bah c'est bon en fait, c'est multiple de 4. Faut que je fasse gaffe avec maintenant. Je me méfie. Oh, ça, ça pue. Ça passe. Oh mon dieu, j'ai cru une matière à tout. Ça c'est cool. Voilà. Quelqu'un d'autre pour healer. Alors le cristal sauve, ça, ça va nous servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus tard. Faut que je tienne jusqu'au plus tard en fait. C'est ça le plus dur. Faut tenir en vie jusqu'au plus tard. J'ai oublié de healer. Fait poutrer la tronche. Il y a un truc démentiel. Le trou de la voix, c'est la fatigue, en effet. Là-dessus, aucun doute. Tellement de violence. Ah,
Ça, c'est cool. Si t'as plus l'ultima. Toi qui t'as plus l'ultima. Ah oui, putain. Non, on va pas utiliser l'ultima. C'est bon. Non, ça, ça l'est pas. Allez, vous descendre. Ok, bonne douche. On va continuer un peu avant de soigner, on va le faire. Pour la douche, je sais pas, c'est pas moi qu'il faut demander de toute façon. Ça fait tellement mal. J'ai même pas eu le temps de voir mon mob, quoi. Le mob il est apparu, il a attaqué Tifa. Tifa a contre-attaqué, le mob est mort. Ah, c'est cool, j'ai éclat d'onde. Ça c'est cool. Ça fait beaucoup de tank, mine de rien. Oh, bah, c'est rigolo. Hein. Tant que ça marche pas, moi ça me va. Ça marchera, ce sera un peu plus fâcheux. Tant que ça marche pas, ça me va. Elle est morte. Oh, c'est nouveau. C'est quoi, comète? Vas-y, fais-le dans ta fesse. Voilà, comète dans ta face, c'est réglé. On peut se régler avec une comète dans ta face. Non, je crois pas. À moins qu'ils aient changé les trucs, mais en tout cas, quand j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, il n'y en a pas.
Bon, j'ai tellement de la marge en méga elixir que j'ai pas regardé. D'accord, c'est pas par là, c'est chier. Disons que pour l'achat du jeu, t'as le premier mois gratuit. C'est déjà ça. Je crois qu'ils aiment pas quand on lance des sorts. Je sais pas ce qui me fait dire ça. Une intuition. Ils sont potentiellement dangereux, donc on va pas trop chercher. Bon bah c'est bon, c'est réglé. Bah écoute, dans la mesure où j'arrive à streamer en jouant à FF14, il bouffe pas grand chose en connexion. Hein. Écoute, un peu fatigué, mais ça va. Ça approche doucement de la fin. On est dans le dernier donjon. Ok, super, la mise à mort, j'adore. C'est tellement mon trip, la mise à mort. Franchement, ce jeu vaut le coup, hein. Son bar est nous bon, cet ennemi. Ah, c'est efficace quand il fait du 4000. Je savais pas qu'il pouvait faire du 4000. Ouais, à la fin, je vais bien dormir, ça, il n'y a pas de doute.
Là, il n'y a aucun doute sur le dodo, quoi. Voilà, ça c'est cool. Au milieu du donjon. Je vais aller à gauche. J'adore le coup de devoir refaire mon groupe comme ça. Mais sans le menu cette fois. Histoire que je puisse me planter. Voilà, mes persos ils sont quand même relativement bas level, mais ça va. Franchement, level 50. Ça devrait quand même passer. Pas facilement, mais passer. Et surtout les 99 mégalixirs. Non mais c'est bon, on va pas se séparer. Oh non, pas une back attack. Juste pas une back attack. Cool. Bah écoute, on va te venger. Oh putain, pas un tombe berry. Non, on va se barrer en fait. Voilà. Jusqu'à sauce. Pas tombé. Pas à mon niveau. Alors moi j'ai, comme je dis, j'ai un gros avantage. Hein. Mon gros avantage c'est le putain de stock de mégalixir. Thank you.
J'espère que je vais survivre. J'ai juste peur de tomber sur des mobs un peu trop gros pour moi. Ok, alors ça fait rien. Et bon, en même temps, si j'inverse mes persos, ça va pas le faire. Ouais, d'accord, là ça fait plus rien, on se barre. Je cherche pas, j'ai pas. Ah bah c'est bon en fait. Ouais, je me souviens de ça dans le 8. Opposition magie, c'est bien. Bon, là, j'ai un peu peur aussi. La comète. Un moment. Okay. Ah, il fait comète 2 carrément. Je peux carrément mourir si j'ai pas de bonne. Ok, alors prête une mémoire là pour te faire mal. Ouais, c'est bon, il est mort. Il est aussi sensible à tout ce qui est Typhon. Non, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mobs qui aiment Typhon, surtout quand ils s'énervent. S'il m'intéressait, le méga tous, je vais l'utiliser tout de suite sur Typhon. Bon, j'ai enlevé trans parce que voilà, je vais mettre méga tous à la place. Totalement, totalement oui. Alors il est où le...
Ouais, je me pose juste là. Donc, on va sauvegarder, c'est la fin. Ça, je peux vraiment pas te dire, Syl. Je sais que c'est assez facile de contacter leur hotline, et donc du coup, parce qu'un coup j'ai besoin de leur hotline, et ils ont répondu très vite à ma demande. Coucou Renard Chenapan, t'arrives juste pour la fin. J'espère. Allez, on avance. On avance, on avance. Ça aura fait moins de 30 heures au final, je m'attendais à plus long. Moi, je peux encore mourir, hein. Je peux encore totalement mourir en boucle. Voilà, c'est bon, j'ai ma team. Il va y avoir du combat de l'infini. Je pense que je vais pas trop chercher. Je vais directement y aller violemment sur les combats. Ça me semble une bonne idée. Je m'en fous pour les MP. J'ai des mégalixirs à pas savoir qu'on foutre. Heureuse Pifounette, on est dans la dernière descente. Si je ne meurs pas, c'est bientôt la fin. Si je meurs, bah c'est pas bientôt la fin. Mais si je meurs pas, c'est bientôt la fin. Ah ouais, là carrément. C'est la musique qui annonce que c'est bientôt la fin du jeu. Je pense que j'aurais besoin de strat pour m'assurer les boss qui arrivent. Donc n'hésitez pas à me publier, à me donner vos strats. J'avais prévu entre 30 et 40 heures, donc je suis en avance. Oui, bah c'est un peu ce que j'avais prévu d'appliquer, mais... Il y a peut-être des strats plus safe que d'autres. Bahamut à 9000. C'est tellement violent. Ouais, la strat tartinage de pain, ouais.
Là, je pense que je vais avoir mal. Il y a de grandes chances que j'ai bobo, hein. Non, on s'en fout, c'est passé. Raté. Je fais de la merde. Ça va tellement lui faire mal comme N2 en même temps que j'ai plutôt intérêt à faire comme N2. Optionnel, invoquer Bahamut, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Bah, je l'ai eu sur l'autre perso. J'ai deux persos contre un de l'ennemi. Normalement, je l'ai eu sur un des deux, il y en a un qui a survécu. Marathon pour le Tidor. La journée du souvenir trans. Toutes les informations tout en bas du stream. Je suis désolé, je mets Terminix pas trop dessus parce que ça fait déjà 25 heures que je suis dessus. D'affilée, je le précise. Et toutes les infos sont un petit peu en bas du stream. En gros, c'est le jour, c'est la journée du souvenir trans. Voilà. C'est le moment où les trans comptent leur mort, en fait. Oh, je peux me faire attaquer ici. Tu descends, crétin. Espèce de crétin des alpages. Non, putain, pas ce boss, pas ce mob. Tellement pas ce mob. Bien les deux, pour être sûr. Rien, je te dirais que je fais pas gaffe à ce que c'est le mob. Je vois un mob qui m'attaque et je tape comme une débile. Je tape comme une grosse débile sur le mob. Oh putain, non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Est-ce que je peux me barrer? Est-ce que je peux me barrer? C'est pas possible. On va quand même essayer. Je vais faire quelque chose. Mais lui, il me fait peur. Ça peut faire mal. Seulement solide ce truc. Non, on se barre. Bientôt la fin, en effet. Haha, j'ai réussi à fuir. C'est cool.
Très bon résumé. Écoute, on va tenter. Écoute. Alors, on va le tenter. Ah si, ça marche. Ah, c'est qui m'a proposé ça? C'est qui m'a suggéré ça? Merci à qui m'a suggéré ça. Heures jusqu'à 11. Alors, voilà. Non, non, le CD1 c'est beaucoup plus. Donc, merci Renard Chenapon, tu m'as sauvé le combat. Est-ce que ça peut marcher sur elle? Quelqu'un sait si ça peut marcher sur elle? Elle est morte, non? Bon, on attend d'avoir une réponse. Mauvaise ATB, j'aime pas les mauvaises ATB. Eh bah ça tombe bien. Elle est pas elle, c'est pas un zombie. Bon bah. Donc ça va être... Ça va être de l'invoque dans ce pif. De l'invoque dans sa gueule. Ça va totalement être de l'invoque dans sa gueule. Non, le support de FF14. Enfin, je vois pas trop. Je sais pas trop. C'est pas le moment. Le Bobo qui est mort, effectivement. Non, 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 je suis pas suicidé. Pour ma santé mentale, non. Juste pour ma santé mentale et ma santé physique et ma santé, tout ce que tu veux, non. Honnêtement. Faut se partir à l'élevage, c'est beaucoup l'élevage. Hein. L'élevage c'est franchement beaucoup. Alors ok, ça donne des bonus vachement cool, mais non. Juste non. Juste non. Juste là, je veux finir et dormir. Ouais. Faut dire ce qui est, mon Bahamut 0, il fait quand même patate de dégâts. Hein. Mais je peux encore mourir comme une merde hein. J'y suis presque mais j'y suis pas encore. On va éviter de vendre la peau de l'ours. Juste comme être 2 c'est plus rentable en dégâts. Juste, je pense que Comet 2 c'est achetement plus rentable. Ça peut le faire, ça peut. Ça peut passer en effet. J'ai battu, oui, en étant lourdement underlevel, et là je pense que je suis beaucoup moins underlevel. Non, elle doit attaquer, putain, elle doit attaquer. Non, c'est bon. Vas-y, doit attaquer. Ça va revenir, c'est ça la prime.
peux encore poser un boudin, je vais reposer un boudin. Non, non plus, hein. Non. Pour être sûr. C'est passé. C'est passé sans dégâts. Faire à tomber sur une mort niveau 5 par contre. Plus que 2. Plus que 2, plus que 2, plus que 2, on y croit. Alors pareil, si vous avez des conseils sur la façon de les appréhender pour que ce soit le plus safe et rapide possible, je prends. Infini, il n'y en a plus que 97. Ouais, infini, ok, je concède, infini. La journée si on veut passer par là, mais en fait j'ai un physique et un healer et un magique. J'ai un physique, un healer, un magique. Allez, c'est parti. On va déjà poser un néo Bahamut, je pense que ça me semble bien. Un régène, ça me semble bien aussi. Un Bahamut aussi. Ouais mais je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas. Je crois que je l'ai pas encore. Non, je l'ai pas encore en fait. Moi je commence par tout y mettre dans sa gueule. Et après je vais continuer à tout y mettre dans sa gueule.
Alors, pour Bizarro, je t'écoute. Est-ce que Bahamut 0 était une bonne option? Il reste déjà plus que deux morceaux. Donc je t'écoute pour Bizarro, hein. Enfin, je te lis. Enfin, j'attends de voir. Je crois que Bizarro, il a pas aimé ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. J'ai moins de 8 tours pour le finir. Ça devrait le faire, je pense. Ça devrait pouvoir le faire. Une puissance de feu un petit peu de ouf de din. Regarde. J'ai déjà pris du 4000 dans sa tronche. Je vais mettre 2. Max, Bahamut. Le cœur est mort. Le cœur est mort, hein. Allez, c'est ce que j'ai fait, je sais que dedans, il n'y a plus de cœur. Je vais juste wiper son putain de cœur, hein. La tête est revenue. Pas grave. C'est magique aussi, c'est tellement violent. Il reste plus que le corps. De nouveau. Oui, n'anticipez pas trop, je vais avoir de la poisse sinon. Bientôt crevé là. Tout ce qui se prend dans sa tronche. Fini. 30 balais que musique. Non, t'as jamais été modérateur chez moi. Mon télé, ça sert à rien. Plus qu'un. Et j'ai eu le temps de full regen juste avant, ça c'est bien. Et j'ai eu le temps de poser un méga élixir juste avant. Musique épique. Des conseils? Est-ce que les invoques sont revenus? C'est surtout ça ma question. Oui, les invoques sont revenus. Ok.
crolle ton guide. Pour l'instant, je saquais dedans. Hein. Pour l'instant, je saquais dedans. En attendant, je saquais dedans. Ah, ça, je ne savais pas. En même temps, ce jeu est bon et mauvais strade, mais ça en fait une de plus. Je me suis quand même pris un 4000 dans la tronche. Hein. On va pas s'en plaindre. Alors, il y a 40 000 PV. Ok, donc encore 10 fois ça. J'ai tué deux fois sa tête. On s'en fout, c'est négligeable. C'est juste négligeable en fait, le moins 100 par tête de bizarre au-dessus.